Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir le fonctionnement de la boîte robotisée à 12 rapports de chez ZF AS Tronic. Donc c'est une boîte qui équipe de nombreux véhicules au VFD, notamment des véhicules de tourisme. Donc ici par exemple c'est un Bova, donc FHD. On la retrouve aussi dans des véhicules comme des Evadis, des Iliades avec l'ancienne version de la boîte, mais aussi des Magellis. Voilà, donc beaucoup de gens se demandent comment elle fonctionne, mais en fait c'est assez basique en fait à utiliser et c'est assez intuitif. Donc là pour l'exemple j'ai choisi de prendre un Bova FHD et la boîte dans sa version 12 rapports, car elle existe aussi en version 16 rapports. Donc voici le levier de commande de la boîte de vitesse. Alors déjà, avant de la manipuler, il faut penser à toujours appuyer à fond sur le frein avant de passer une vitesse. Donc là, nous sommes actuellement au point mort, donc ici en N. Si on veut passer la marche arrière, il suffit de mettre le levier vers le bas. Donc là, on va revenir au point mort. Maintenant, pour passer en marche avant, donc en drive, donc ici à gauche, on va à gauche. Voilà. Maintenant, on est en automatique. Si on veut passer la boîte en manuel, on tapote un coup à gauche. On remet encore un coup à gauche et on revient en automatique. Passer les rapports un par un ou deux par deux. Donc là, pour les monter un par un petit coup vers le haut, et deux par deux, un grand coup vers le haut. Et pareil pour rétrograder, un par un ou deux par deux. Donc là maintenant, on va revenir au point mort. Alors, juste pour le fun, je vais vous montrer dans cette vidéo le passage de tous les rapports en manuel, de la première à la douzième. Donc là, on est à plat, donc honnêtement, c'est une manipulation qui sert absolument à rien dans la vie pratique. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la longe des différentes vitesses. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la hors-série qui sortira donc samedi, et ensuite le lendemain, le dimanche, il y aura donc la vidéo du dimanche. Allez, à plus les gars, salut.